Bonsoir à tous, je vous remercie pour votre ponctualité et votre assiduité, puisqu'aujourd'hui nous sommes au complet. Les 33 conseillers municipaux sont présents. Avant de commencer, je vais demander à Brigitte Macaudière si elle accepte d'être secrétaire de séance. Merci. Voilà, donc avant, et puis je vais demander à mes collègues élus qui seront rapporteurs de parler le plus près du micro possible, parce que je vous rappelle, ce conseil est diffusé sur le site de la commune et c'est important qu'on puisse vous comprendre. Merci. Avant d'attaquer l'ordre du jour du conseil municipal, Monsieur de Tour m'avait posé une question lors du dernier conseil concernant l'impact sur la commune des abattements qui étaient préconisés par le conseil municipal. Donc, je vais vous apporter une réponse, en sachant que je l'avais précisé que la commune d'Oriorges était la commune qui pratiquait le plus d'abattements sur le périmètre de l'ex-Grand Ouane, c'est-à-dire des six communes urbaines. Et après vérification, c'est bien le cas, puisqu'il y a un abattement général à la base qui est facultatif, qui est de 15%. Pour la commune d'Oriorges, on avait voté il y a fort longtemps dans une politique fiscale et sociale. On souhaitait diminuer la part de la taxe d'habitation pour les habitants. Donc il y avait un abattement général à la base de 15% que la commune de Mably aussi pratique. C'est les deux seules communes de l'ex-Grand Ouane. Et puis aussi un abattement sur les personnes à charge. Alors il y avait un taux minimal et nous, ce taux, on l'a augmenté de 5%. Pour les deux premières personnes à charge, donc au lieu de 10, c'est passé à 15%, et pour la troisième personne à charge, au lieu de 15, c'est passé à 20%. Ces abattements sont facultatifs. Donc, ça diminue la recette fiscale qu'on percevait jusqu'en 2020. Et le gouvernement, dans sa réforme, s'est basé sur les recettes fiscales qu'on percevait exactement. Donc, tous les abattements qu'on a décidés avec une politique, je l'ai dit, sociale et fiscale, sont devenus transparents. Le coût de ces abattements, après calcul et après l'État qui nous a été transmis, l'État 1386 bis transmis par les services fiscaux, le total des abattements général à la base pour la commune en valeur locative est de 2 737 677 euros. Si vous multipliez par le taux de la taxe d'habitation 11,41%, vous obtenez un montant de 312 368 000 euros. Et pour les abattements pour charges de famille, je vous rappelle qu'on a augmenté de 5% les abattements, que ce soit pour les deux premières personnes et la troisième personne, ça correspond à un produit de 60 093 euros. Donc si on fait le total de ces abattements, le total des abattements dont les Ariorgeois bénéficiaient est de 372 461 euros. Donc c'est le montant des abattements qui est devenu transparent, qui en fin de compte, qui ne tiennent plus compte de notre politique sociale et fiscale qu'on avait mis en place depuis de nombreuses années. Voilà pourquoi je disais que c'était une réforme dogmatique qui ne s'adaptait pas au travail des élus locaux et que si on voulait donner du pouvoir d'achat aux citoyens, il y avait d'autres moyens, par exemple de diminuer le taux de TVA sur les produits alimentaires ou de le supprimer, c'est un taux de 5,5%. La TVA est un impôt totalement injuste parce que quelqu'un qui gagne le SMIC, il consomme son SMIC. Donc il paye la TVA sur la totalité de ses revenus. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, il ne dépense pas tout. Donc la TVA n'est qu'une sur une partie de ses revenus. Voilà. Donc il y avait certainement un moyen pour aider les personnes les plus fragiles, les plus précaires. Tout le monde, mais principalement les personnes les plus précaires. Voilà le point que je voulais faire concernant les abattements sur la taxe d'habitation. Donc, on va rentrer directement dans l'ordre du jour. Maintenant, le procès-verbal. Y a-t-il des questions concernant le procès-verbal du conseil municipal du 3 mars? Pas d'observation. Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. Le point suivant, c'est les décisions que le maire a prises depuis le dernier conseil municipal. Il y en a 8. Je ne vais pas toutes vous les lister. Est-ce que vous souhaitez avoir des informations? Y a-t-il des questions concernant ces décisions qui ont été prises? Oui, monsieur Moissonnet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous.
Oui, moi j'avais simplement une question sur le contentieux qui oppose la mairie à Monsieur De Oliveira. Je voulais simplement savoir quelle était la nature du préjudice Alors, et la du litige, nature, s'il vous plaît. c'était un monsieur qui est parti à la retraite, un salarié qui est parti à la retraite, suite à l'avis favorable de la CARSAT, et puis ça a été validé aussi de notre part. Simplement, après coup, une fois que ce monsieur est parti à la retraite, il y a eu un avis défavorable de la CNRACL parce que ce salarié avait omis de renouveler pardon, sa reconnaissance à qualité de travailleur handicapé. Donc cet oubli lui a enlevé des annuités dans sa retraite, donc il a été obligé de reprendre le travail. Donc c'est vrai que quand quelqu'un est à la retraite et qu'au bout de 3 mois on lui dit qu'il faut revenir travailler, c'est difficile psychologiquement. On avait pourtant fait le nécessaire puisqu'on avait reçu cette personne et il avait choisi le service où il voulait travailler avec tout ce qui était matériel nécessaire pour qu'il puisse travailler. En fin de compte, cette personne a travaillé très peu de temps parce que elle n'a pas souhaité continuer à travailler. Donc elle s'est mise en arrêt maladie. Le premier arrêt, si vous voulez, c'était un arrêt d'ordre problème psychologique, dépression, déprime. Et après, eh ben cet arrêt s'est transformé en maladie professionnelle, en sachant que cette personne n'avait travaillé que 2 mois après la reprise. Donc la maladie professionnelle a été imputée aux 2 mois de reprise de travail. Donc cette personne a bénéficié de l'arrêt de la rémunération des arrêts de travail dus à la maladie professionnelle. Cette personne a été admise à la retraite, mais elle souhaite avoir des indemnités complémentaires du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle, des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d'agrément. C'est le terme qui est employé. Voilà. Donc il est bien évident que je n'ai pas accepté ça parce que j'estime que la commune d'Oriorges a rempli son rôle d'accompagnement. On a reconnu la maladie professionnelle, ce qui, au bout de 2 mois de travail, n'était pas forcément évident. Donc on a fait ce geste, mais visiblement, ça ne suffit pas à cette personne. Donc on va devant le tribunal administratif. Merci. Oui? Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames, Messieurs. C'était concernant la programmation culturelle. Je voulais savoir si, compte tenu de la crise sanitaire, il y a une programmation qui a été établie pour la saison, enfin jusqu'en septembre. Véronique Mouillet va vous répondre. Bonsoir à tous. Donc, on a essayé de programmer les concerts des Mardis du Grand Marais aussi longtemps qu'on a pu, tant qu'on n'avait pas de situation officielle et de texte officiel là-dessus. Là, il est clair que tout est mis en arrêt. Donc, on ne programme plus rien jusqu'à ce que le président a dit il y a quelque temps, mois de mai. Donc, voilà, on va se caler là-dessus, sachant que le mois de mai, ça correspond pour nous à la fin de la saison des Grands Marais, voilà, pour ce qui est de ça. Et ensuite, on a développé la même politique culturelle qu'en décembre, c'est-à-dire des concerts dans les bus, enfin, quand je dis concerts, de la musique dans les bus, des spectacles et des concerts en pied d'immeuble, et puis des déambulations dans la rue. Voilà, donc on s'adaptera bien sûr aux dispositions sanitaires en vigueur. Merci Véronique. Oui? Oui, merci de votre réponse. Et également, Monsieur le maire, concernant l'agrandissement de la maison de Gallieni, est-ce qu'on pourrait connaître la nature des travaux? Alors, la nature des travaux, c'est de refaire l'enveloppe énergétique de cette maison, puisqu'elle date des années, je sais plus, 50 ou je sais plus, hein, voilà, 60, enfin voilà, c'est une passoire énergétique. Et puis, on veut créer un accueil qui soit accessible qui soit accessible et qu'on puisse recevoir les gens, les associations et les membres des associations dans des meilleures conditions. Oui, quand vous dites accueil, c'est un accueil physique, c'est pas un prêt de salle pour les associations, Non, non, quoi. c'est un accueil physique, plus que le service association est là-bas et la personne qui est censée, enfin qui est censée, qui apporte les renseignements aux associations est à la maison Gallieni. Donc on va créer un vrai lieu d'accueil. D'accord, je vous remercie, Monsieur le maire. Y a-t-il d'autres questions concernant ces décisions? Bien, je vous remercie.
Le prochain rapport est présenté par Jackie Barrault, et c'est toujours le même rapport, sur les déclarations d'intention d'aliénés. Jackie. Merci, monsieur le maire. Donc, traditionnel rapport, donc déclaration d'intention d'aliénés, dite DIA. Donc, en application de l'article L21-22, alinéa 23 du CGCT, le maire rend compte des décisions relatives à l'exercice des droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme en vertu de la délégation reçue du conseil municipal à chacune des réunions obligatoires de celui-ci. Donc, depuis l'intervention donnée lors du dernier conseil du 3 mars dernier et entre le 13 février 2021 et le 14 mars de la même année, 15 DIA ont été déposés et 8 délivrés. La commune n'a exercé son droit de préemption sur aucune d'entre elles. Une nouvelle information sera effectuée lors de la prochaine séance. Merci, Jackie. Donc, c'est une information, donc il n'y a pas de vote. Le prochain rapport est présenté par Daniel Corr et c'est l'adhésion à la constitution d'un groupement d'achat élargi à l'énergie verte. Merci, monsieur le maire. Par délibération du 14 novembre 2014, la commune d'Orieux adhère à la convention constitutive du groupement de commande pour l'achat d'électricité et du gaz naturel passé par avec le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire, Directoire énergie de Ciel. Pour un souci de simplification pour les adhérents, la commune d'Orieux adhère par délibération du 6 février 2020 à la nouvelle convention créée par le Ciel Loire. Conformément à ses statuts, article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le syndicat intercommunal de l'énergie de la Loire, des territoires d'énergie, peut faire réaliser les travaux pour le compte de ses adhérents. Alors que le prix de l'énergie remonte sur les marchés, le Ciel Loire propose à ses adhérents d'intégrer une part d'énergie verte dans le cadre des futurs marchés d'achat groupe d'électricité et de gaz. Afin d'inscrire dans une démarche éco-citoyenne et de participer à construire un monde de transition, il convient de souscrire à cette offre groupée d'énergie verte, laquelle garantit le bénéfice d'une énergie renouvelable pour un coût raisonnable et maîtrisé sur 3 ans. La ville d'Orgeorge adhère au groupement d'achat d'énergie du Ciel. Loire participe au marché d'achat groupé de gaz et d'électricité qui se termine respectivement le 30 juin 2021 et 31 décembre 2021. Le Ciel de Loire doit renouveler ses marchés pour une période de 3 ans, gaz au 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, électricité au 1er juin 2022 au 31 décembre 2024. Considérant les besoins de l'adhérent pour l'achat d'énergie d'électricité et la possibilité d'intégrer une part d'achat d'énergie verte, vu le code des collectivités territoriales, vu le code de la commande publique et le code de l'énergie, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir intégrer une part d'énergie verte dans le cadre des futurs marchés d'achat groupés d'électricité de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2024, coordonnée par le Ciel Loire. Indiquer le pourcentage d'énergie verte sur une échelle de 0 à 100 pour chaque point de livraison listé en annexe ci-joint, cette liste sera complétée nécessaire par les points de livraison marquant résultat. Autoriser le maire à signer toute pièce intervenir relativement à ce dossier. Je rajoute, monsieur le maire, si vous le permettez, notre budget annuel pour les bâtiments en électricité est d'environ 100 000 euros TTC pour les concepts de taxes et d'abonnements. L'augmentation prévue pour l'électricité verte est d'environ 4%, c'est-à-dire 4 000 euros. Il est proposé de ne pas aller sur le dispositif vert pour le gaz car nous voulions le coût. Quelques chiffres en plus, l'électricité qui a été dépensée en 2019, 101 621 euros, 2018, 96 757, et le gaz, 133 813 en 2019 et 103 231 en 2018. Merci Daniel. Donc on souhaite avoir une part d'énergie verte, notamment l'électricité, pour les bâtiments publics de la ville d'Orieurge. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Pas de questions, donc qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Le prochain rapport est présenté par Jackie Barrault et ça concerne un règlement définissant les conditions générales d'utilisation du guichet numérique des autorisations d'urbanisme, le GNO. Merci, monsieur le maire. Donc, la loi Élan portant Élan, évolution du logement et de l'aménagement numérique, donc du 23 novembre 2018, concernant l'urbanisme, fixe la date butoir du droit de saisine des usagers
par voie électronique au 1er janvier 2022. On en est très proche. Son article 62 prévoit les communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 3500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Donc, un arrêté a été pris par le ministère chargé de l'urbanisme et en définit les modalités de mise en œuvre. La ville d'Orieurs donc, souhaite anticiper cette échéance et mettre à disposition des usagers un dispositif dématérialisé totalement gratuit, simplifiant les démarches de dépôt et de suivi des demandes d'autorisation d'urbanisme. Il sera opérationnel à compter du 1er mai 2021 pour les professionnels et du 1er octobre 2021 pour les particuliers. L'usager pourra toutefois continuer à déposer sa demande au format papier s'il le souhaite. À cet effet, l'acquisition d'un téléservice a été réalisée. Le guichet numérique des autorisations d'urbanisme, en sigle NIO, qui permet de recevoir, mais aussi d'instruire par voie dématérialisée ses demandes. Cette mise en place nécessite un règlement qui définit les conditions générales d'utilisation, CGU, et les droits et obligations de la collectivité et de l'usager, détermine le périmètre du guichet, précise les modalités de fonctionnement du téléservice, précise également les conditions de recevabilité des demandes, et les spécificités et prérequis techniques. Il permet notamment de préciser que l'accès à ce téléservice se fait aussi bien depuis le site internet de la collectivité que depuis le portail e-citoyen, de renforcer la sécurité du mot de passe choisi par l'usager lors de son inscription, préciser la liste des formulaires admis sur le guichet numérique, acter les versions des navigateurs Internet permettant l'accès à ce téléservice et de préciser le format des pièces numériques acceptées. Donc en conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, petit 1, approuver le règlement des conditions générales d'utilisation du guichet numérique et des autorisations d'urbanisme, qui permet de recevoir et d'instruire par voie dématérialisée leurs demandes d'urbanisme, dire que les dispositions du présent règlement entreront en vigueur pour les usagers de la collectivité et des établissements publics administratifs qui en dépendent à compter du jour où la délibération sera revêtue du caractère exécutoire. Et enfin, en petit 3, autoriser le maire ou son représentant à signer au nom de la ville tous les actes ou pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je profite d'avoir le micro là simplement pour préciser que les services donc d'Orieurs et Mably se sont rencontrés récemment avec une réunion d'information en direction des professionnels, donc les notaires, agents immobiliers, etc., fin de semaine dernière, pour une réunion d'information simplement. Par rapport à ce thème, donc une des réunions qui s'est très bien passée, qui était très animée. Merci Jackie. Donc c'est une nouvelle étape dans la dématérialisation et ça concerne les documents d'urbanisme. Voilà, avec deux dates qu'il faut retenir, le 1er mai pour les professionnels et le 1er octobre pour les particuliers. Y a-t-il des questions ? Monsieur Detour. Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur le maire. Il est effectivement très 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 bien de développer tous ces services numériques et on encourage cela. C'était simplement une information. L'État aujourd'hui a lancé un appel à projet où on peut mettre en place, et ce serait peut-être quelque chose sur lequel on pourrait se penser, des conseillers numériques et peuvent aller jusqu'à 40 000 euros d'aide pour financer les postes. Donc les appels à projets sont en cours aujourd'hui. Donc si ça peut être quelque chose de bien éventuellement pour les particuliers riorgeois, avec tous ces services qui sont dématérialisés par les communes, par l'État, etc., de pouvoir, grâce à cette prise en charge de 40 000 euros, financer un poste complet pour accompagner au mieux tous les usagers. C'est quelque chose effectivement qui avait été présenté en conférence des maires il y a quelque temps en Rouen agglomération. Merci Monsieur de Tours. Y a-t-il d'autres interventions ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Unanimité ? Merci. Le point suivant est présenté toujours par Jackie Barrault et ça concerne un avenant numéro 4 à la convention nous liant avec Novim Epora, ou Epora plutôt, et concernant la ZAC du Triangle des Canaux. Merci Monsieur le maire. Donc je vais pas vous rappeler l'historique de la ZAC du Triangle des Canaux.
avec les conventions et les avenants successifs entre Épora et la commune de Rioche. Donc nous en sommes à l'avenant numéro 4. Simplement, donc, le premier avenant a été signé en date du 3 janvier 2017, le second au 7 novembre 2018. Donc c'est ce qui a posé problème puisqu'il y avait le périmètre de l'opération qui était étendu à l'usine Ropkov. Et en cascade, après, justement, ce qui nécessite l'avenant d'aujourd'hui. Donc, l'avenant numéro 2 précisait, donc, dans son article 1, prévoyait un nouvel échelonnement, donc, du versement des avances à verser par la société Novim, donc, qui est l'aménageur du site, concessionnaire de la ZAC des canaux, en substitution de la commune sur 4 ans à compter du deuxième trimestre 2017, avec un calendrier, un échéancier de versement des avances qui était le suivant, donc 360 000 hors taxes versées les 30, avant le 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, et le solde d'opération devait être versé au 30 juin 2020. Le 16 juillet 2020, un avenant numéro 3 de la convention opérationnelle a été signé dans le but de proroger la durée de la convention au 23 juin de cette année, 2021, et d'actualiser le bilan prévisionnel. Au 31 décembre 2020, la commune, puis la société Novim, ex-SEDL, a versé respectivement 315 000, puis 360 000 par an, 2017-2019, soit un total de 1 395 000 hors taxes d'avance à Épora. Au regard de l'avancement des travaux et de la découverte d'espaces pollués, qu'il convient de traiter à partir d'un plan de gestion élaboré par la commune, d'études, sites et sols pollués d'Ectra. Le solde de l'opération ne pourra être facturé au 23 juin 2021 comme prévu initialement. Donc les parties conviennent donc que le solde de la participation de la commune sera versé par Novim à l'issue de la réception des travaux de requalification foncière par Épora, soit au plus tard le 31 décembre 2022. Pour ces raisons, il convient de proroger de 18 mois la convention opérationnelle, soit jusqu'au 31 décembre 2022, par la signature d'un avenant numéro 4, donc l'objet de la délibération d'aujourd'hui, afin de prendre en compte un délai supplémentaire nécessaire à la réalisation par Épora des travaux de dépollution des sols. Donc, il est donc demandé au Conseil de bien vouloir donc approuver l'avenant numéro 4 à la convention opérationnelle passée entre la commune de Rioche et l'Épora, relative au site de la ZAC du Triangle des Canaux. Dire que cet avenant numéro 4 porte sur la prolongation de la convention de 18 mois, porte sur la prolongation aussi de la convention de 18 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2022, afin de prendre en compte le délai supplémentaire nécessaire à Épora pour les travaux de démolition et dépollution des sols, approuver le nouveau bilan financier prévisionnel de l'opération si annexée, donc vous l'avez en annexe les uns les autres, et enfin autoriser le maire à signer cet avenant. Merci Jackie. Donc il y a... Oui, Bernard. Oui, s'il vous plaît, Jean-Luc. Je voulais savoir comment est réalisée la dépollution des sols, là, parce qu'actuellement, tout a été rasé. Oui. Donc alors, la dépollution va intervenir maintenant. Alors, simplement, je veux rappeler, Épora était chargé des acquisitions foncières, du patrimoine, de la démolition, de la déconstruction, de la dépollution. Donc vous avez bien compris que tout est fait, sauf à part la dépollution qui est en cours d'être fait et qui va durer vraisemblablement toute l'année 2021. C'est pour ça qu'un nouvel avenant de la Convention est passé aujourd'hui, vous êtes demandé de voter aujourd'hui pour prolonger la Convention avec Épora. Ensuite, il y aura un jury de sélection pour les investisseurs qui se fera, la sélection va se faire en automne, avec un permis de construire au premier trimestre 2022, si tout va bien, pour un début des travaux à l'automne 2022, septembre-octobre 2022. Concernant la dépollution, c'est une dépollution plutôt chimique, alors je ne connais pas les termes exacts, Rodolphe, je ne sais pas. La dépollution est déjà évacuée. Excusez-moi. Oui, bonjour. Le gros de la dépollution est évacué, donc c'était une pollution qui était très localisée et superficielle. Et le reste de la dépollution va être traité cet été avec une injection de fer dans le sol. Donc en laboratoire, ça a très bien fonctionné. Là, les tests qui ont été réalisés. Donc on pense que voilà, en in situ, ça devrait aussi bien fonctionner. Donc il y a une injection qui devrait être prévue en juin ou juillet.
et puis une deuxième injection en fonction des résultats en décembre. Ce sont des endroits qui sont bien localisés ou c'est sur tout le périmètre? Oui, non, c'est un endroit très localisé où, passé un moment, il y avait un trou pas très loin de la rue Chantoiseau, c'est ça, hein, à côté de la rue Chantoiseau. Il y avait un trou à ce moment-là, ça faisait un petit peu une réserve d'eau verdâtre. Et donc c'est vraiment juste localisé ici. Écoutez, je vous remercie pour ces explications. Merci, monsieur le directeur, pour ces explications plutôt chimiques, enfin, avec des réactions chimiques. Voilà. Donc je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Oui, monsieur de Tour, pardon. Oui, merci. Donc, bien sûr, on votera pour cette délibération. C'est bon. On votera pour cette délibération. Il est nécessaire de dépolluer quand on déconstruit. Mais on tenait quand même à vous redire, quand on voit en plus la place que ce lieu permet d'offrir, qu'il est encore dommage de ne pas s'attacher à réhabiliter les 7% de logements vacants et à vouloir reconstruire du logement neuf. Et c'est vrai que ce lieu aurait vraiment pu permettre... ça aurait été le premier lieu qui aurait pu permettre aux Riorgeois de se réunir avec un projet qui pouvait peut-être permettre de créer un lieu de vie très très intéressant sur le territoire. Et c'est vrai qu'on est toujours déçus par ça. Et quand on voit aujourd'hui ce que vous avez fait en achetant tous ces bâtiments, en les déconstruisant et en remettant à la vue de tout le monde cet espace qui peut être magnifique, nous sommes déçus et on tenait vraiment à le dire, de revoir du béton venir implanter cet espace-là. On en reparlera quand le projet sera fait, monsieur de Tour. Concernant vos logements vacants, mais je vous rappelle, c'est ce qu'on fait actuellement. C'était des logements insalubres, vacants, qu'on a démolis, déconstruits, pour refaire du renouvellement urbain. Je vous ai déjà présenté le projet avec un îlot verdoyant au cœur de ce projet. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on veut de qualitatif parce que c'est l'entrée de la ville de Riorges. Et je pense que ça sera une réussite, ça sera quelque chose de nouveau et de confortable pour les futurs habitants. Concernant un lieu de vie, je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais vous avez bien remarqué quand même que les stationnements sont assez restreints sur ce périmètre. Donc créer de l'activité sans stationnement, ça peut poser des problèmes. Mais enfin, en plus, ce n'est pas notre souhait, ce n'a pas été notre vision de l'aménagement urbain. Si on veut créer un aménagement, un lieu de vie, pour un nouveau lieu de vie pour les Riorgeois, parce qu'il y en existe quand même, ça ne sera pas sur ce secteur. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, oui, monsieur Jacquie. Suite à l'intervention de monsieur de Tour, simplement une précision qui est très récente, puisque sur le lotissement des poupées, qui étaient les appartements, le premier lot d'appartements, parce qu'il y a des maisons qui vont être livrées cet automne, mais le premier lot d'appartements pour une vingtaine d'appartements, vous dire qu'il y a quand même eu plus de 100 demandes, 120 demandes de mémoire pour une vingtaine d'appartements. Donc il y a bien des gens qui recherchent quand même à venir sur Riorges. Monsieur de Tour. Je m'exprime très mal et je m'en excuse. C'est pas du tout ce que je souhaite dire. C'est très bien et je comprends que les gens aillent dans les logements neufs, mais ils viennent pas ici pour l'emploi. Donc ils vont venir ici et ils vont partir d'autre part, d'un autre lieu. Ces autres lieux vont rester vacants et on va se retrouver avec une chaîne et on va tourner en rond sur le territoire du Rouennais où on va créer que du logement vacant avec toutes ces constructions neuves. Et aujourd'hui, il n'est pas dit que ça coûte beaucoup plus cher que de reconstruire que du neuf, de réhabiliter les logements actuels, plutôt que de rendre ces logements actuels par rapport au déménagement que ça va engendrer sur l'ensemble du territoire. Et on aura après des verrues un petit peu de partout avec des logements qui seront vacants. Ou alors, il faudra avoir une politique de l'emploi liée à tout ça pour faire venir beaucoup de monde de l'extérieur qui n'est aujourd'hui pas sur le territoire du Rouennais. Parce que c'est pas simplement un déplacement de population qu'il faut qu'on pense pour l'avenir. Il ne faut pas vider un côté pour remplir un autre. Après, avec les logements vacants aujourd'hui et ceux qu'on va recréer derrière, y a-t-il quelque chose à faire? Moi, j'essaye de voir et on essaye d'avoir tous ensemble ici, nous six réunis, une vision pour l'avenir. Et aujourd'hui, je pense qu'on va, et pas que la ville de Riorges, hein, mais je pense qu'on va dans le mauvais sens en voulant toujours construire et en pensant jamais à cette réhabilitation sans les détruire, mais la réhabilitation des logements vacants actuels en les gardant intacts, mais en les réhabilitant.
Monsieur de Tour, la réhabilitation coûte souvent beaucoup plus cher qu'une construction neuve. En plus, vous savez que ceux qui veulent réhabiliter, vous me direz que ce n'est pas suffisant, mais ça le mérite d'exister. Il y a le PLH qui est voté par Rouennais Agglomération, qui donne de nombreuses aides, alors peut-être pas assez, mais elles ont le mérite d'exister quand même, d'être importantes, pour la réhabilitation des logements. En plus, je vous rappelle que la ville d'Oriorge fait partie des communes, comme Villeray, qui doivent répondre aux obligations de la loi SRU, donc d'avoir 20% de logements locatifs aidés. Voilà, donc ça c'est une obligation si on ne veut pas payer de pénalité. On n'en paye pas pour l'instant parce que toutes les années, dans notre budget, on a un volume de dépenses qui acte le fait d'arriver vers les 20% de logements locatifs aidés. On a échangé avec l'État, donc ils comprennent notre démarche, parce qu'on est parti vraiment tellement bas. Je vous rappelle que dans les années 80, il devait y avoir 2 logements locatifs aidés, 2 logements sociaux sur les communes. Donc aujourd'hui, on est à pratiquement 18-19%. Voilà. Donc, et en plus, vous ne pouvez quand même pas nous reprocher que la commune d'Oriorge soit attractive. Si les gens viennent à Oriorge, on ne va pas les chercher, c'est qu'ils ont envie de venir habiter à Oriorge. Voilà, donc ce qui répond quand même à un critère de vie qu'ils apprécient sur la commune. On ne vous reproche pas du tout ça, monsieur le maire. On essaye juste d'avoir une vision beaucoup plus large et de penser à l'échelle du territoire, de se dire, est-ce qu'on a suffisamment de population pour créer encore autant de logements neufs? Voilà, c'est la seule question qu'on se pose par rapport à tout ce qui se développe aux alentours de Roanne et par rapport à l'emploi qu'on est capable de créer sur notre territoire. Quand on reprend les taux démographiques des 10, 20, 30 dernières années, il n'y a pas eu une grosse évolution en termes de nombre d'habitants supplémentaires. Donc recréer du neuf, oui, c'est très bien, ça offre un meilleur confort, mais du neuf, on peut le recréer avec l'ancien. C'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Pour qu'à terme, ça revienne, certes, peut-être ça vous coûtera moins cher sur le coup, et après, on voit pas, on n'a pas qu'une vision de la ville de Riorges. On ne réfléchit plus aujourd'hui qu'à sa propre entité et puis à se comparer toujours aux autres. On essaye de réfléchir vraiment sur une entité rouennaise pour voir tout ce que notre territoire peut offrir. Et on trouve que le territoire offre certes des prestations de qualité, mais y a-t-il pas quelque chose à réfléchir pour qu'on ne laisse pas des générations futures avec des verrues qui se retrouveront sur l'ensemble du territoire, sachant qu'on a quand même une métropole de Lyon qui est en train de se développer grand V à côté de chez nous, on a les métropoles de Clermont qui se développent également grand V, Saint-Étienne, on est entouré. Donc est-ce qu'à jour à Roanne, on aura suffisamment, un secteur économique suffisamment fort pour pouvoir accueillir justement en nombre tous ces nouveaux habitants pour peupler toutes les résidences que l'on a aujourd'hui. Ça, on essaye de penser comment sera fait demain. Et c'est le rôle des politiques, hein, en gros. Hein. C'est pas de réfléchir à la petite semaine ou à 2 ans. C'est de dire dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que ce sera. Monsieur de Tour, notre politique d'urbanisme, elle n'est pas faite la petite semaine et 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça fait depuis les années 80 qu'on travaille sur l'urbanisme. Mais je vous parle globalement de la politique d'Oriorge, monsieur de Tour. Hein. À Riorges, avant, dans les années 1980, il n'y avait rien. C'était une vision anarchique. C'était des maisons qui étaient construites à droite, à gauche, avec des trous énormes. Depuis 1980, on est en train de mailler, de remplir les dents creuses sur la commune. D'ailleurs, c'est obligatoire, puisqu'avec l'État nous oblige maintenant à densifier les constructions. Et on essaye de le faire dans une manière cohérente. C'est pour ça que des fois, on devient propriétaire de terrain pour pouvoir aérer la commune, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, avec les parcelles qui deviennent de plus en plus petites, on a de la peine, les propriétaires ont de la peine à pouvoir planter un arbre ou arborer comme ils le souhaiteraient leur terrain. Concernant les nouveaux habitants qui arrivent, les habitants qui viennent de Lyon ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des appartements de qualité, dans des sites de qualité, quelque chose de qualitatif nouveau. Donc ce que vous proposez n'attirera pas les habitants qui viennent de Lyon ou d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'on fait du renouvellement urbain. Mais même Roanne en fait du renouvellement urbain en ce moment. Et c'est important. Parce que c'est une nécessité. Ça fait partie de l'attractivité du territoire. Et ce n'est pas avec des anciens logements qui ne sont pas accessibles, qui ont d'autres normes, qui sont des passoires énergétiques, que vous allez attirer, c'est comme ça, attirer les gens, les gens de l'extérieur. Voilà. Donc, on s'est projeté dans du renouvellement urbain depuis de nombreuses années. D'ailleurs, vous pouvez voir en circulant dans la commune qu'il y a quand même peu de vieux quartiers. Les quelques vieux quartiers qui existent encore,
on s'y attache, mais c'est vrai, c'est coûteux, c'est cher et c'est très long. C'est pour ça qu'à terme, on fait des réserves foncières pour pouvoir aménager la commune comme on l'entend, avec d'une manière cohérente et qui offre un cadre de vie agréable pour les Ariurgeois. Monsieur Barou. Pardon. Merci, monsieur le maire. Ouais, simplement pour amener encore une précision, puisque je participe à la commission d'attribution des subventions pour la rénovation des logements sur l'agglo. À titre indicatif, sur Yorge et sur l'année 2020, au total, il y a eu 9 dossiers, enfin déposés il y a un peu plus, mais 9 acceptés pour un montant de un peu plus de 47 000 euros. Ce n'est pas énorme. La plupart du temps, ce sont des propriétaires occupants, très peu de propriétaires bailleurs. Donc, ce qui veut dire que les gens qui sont en location dans ces passoires thermiques, comme vient de le dire M. le maire, ils restent dans les passoires thermiques si on ne leur propose pas une autre opportunité. Les rénovations ne sont pas effectuées par les bailleurs. Merci. Monsieur de Tour. Je suis d'accord que Riorges est très bien développé, mais si vous prenez, je sais pas moi, Saint-Vincent, Péreux, Saint-Léger, Renaison, il y a 20 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, la population, elle se déplace, mais le nombre total d'habitants sur notre bassin, il n'augmente pas. La population, elle se déplace. L'ex-Grand-Rouen, la petite agglo était de 80 000 habitants il y a quelques années. Aujourd'hui, le bassin, il est à peu près encore de cette taille-là. On n'a pas augmenté en nombre le nombre d'habitants. C'est ce qu'on souhaite dire. C'est pas qu'il ne faut pas faire tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait de tous ces logements qui seront vacants après, sachant qu'on n'augmente pas la taille. Et après, c'est très bien de faire tout ça, mais après, est-ce qu'on ne pourrait pas un jour avoir un débat sur comment sera la vie ici dans 20, 30 ans? C'est des sujets qui sont hyper intéressants, sur lesquels nous, on est prêts à échanger, à venir en commission, en réunion, parce qu'il y a plein de choses à penser, à étudier. Hein. Monsieur de Tour, il existe pour cela le SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui a été très dur avec certaines communes qui de la périurbaine, parce qu'on leur impose un certain nombre de logements à construire, et aujourd'hui, ils l'ont atteint. Donc, ils ne pourront plus rien construire avant X années. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait redensifier le cœur urbain, dont la ville de Rouen, parce qu'on s'apercevait que beaucoup d'habitants de Rouen et du cœur urbain partaient vers l'extérieur, vers les communes dont vous avez nommé, par exemple, ou Renaison. Donc, la vocation, c'est de redensifier le cœur urbain. Et Ariurges fait partie du cœur urbain. Et on est même encouragé pour le faire. Dans le SCOT, c'est comme cela. Maintenant, à chaque fois qu'on a des réceptions d'habitants, ils viennent sur Ariurges. Pourquoi? Parce qu'il y a les services, parce que c'est une ville qui est attrayante, il y a des parcs, etc. On ne peut pas dire aux habitants, venez pas à Ariurges, elle habite ailleurs. Bon, donc, c'est comme ça. On fait du renouvellement urbain, ça attire des citoyens, tant mieux. Monsieur Chauvet. Monsieur le maire, je crois aussi qu'on pourrait ajouter une chose, c'est que la crise actuelle nous montre peut-être que l'avenir n'est pas aux grandes métropoles, mais aux villes moyennes. Et c'est peut-être là que l'avenir va se jouer, et c'est peut-être là que notre vision de l'aménagement urbain est la bonne vision pour l'avenir. Allez, une dernière intervention et on passera au vote si vous le voulez bien. Merci, monsieur le maire. Juste pour revenir, on peut reprocher beaucoup de choses peut-être aux équipes de Riorges, mais avoir une vision urbaine, urbanistique, sur 20, 30 ans, on ne peut pas le reprocher. Le SCOT dont on parle, c'est quand même un ancien maire et un ancien élu de Riorges qui était à la manette pour le faire, sans le nommer un peu Bernard Jaillol. Il y a quand même des visions qui sont là. Je crois que ce qui nous différencie quand même, c'est que nous, on estime que le PLU est un acte politique important pour une commune. Et c'est pour ça qu'on a voté contre le PLU. Et ça fait partie de l'aménagement. On a une commune qui, depuis un certain nombre d'années, ne perd pas d'habitants, qui a des groupes scolaires qui sont remplis, qui a une activité économique avec 3000 emplois. On est quand même, contrairement à ce que vous semblez dire, à une ville qui est à la fois une ville où on travaille
où on vit bien avec la nature, et il y a une vraie vision. Il faudrait qu'un jour on mette ici une expo des années, fin des années 70 jusqu'à maintenant, pour voir comment cette organisation urbaine s'est développée parce qu'elle a été pensée. Non, excusez-moi. Merci Nabi. Donc si je vais soumettre au vote, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité, merci. Le prochain rapport est présenté par Jean-Luc Reynard et c'est une acquisition de parcelles pour continuer des cheminements piétons. Merci Monsieur le Maire. La commune poursuit la mise en œuvre de ses emplacements réservés inscrits au plan local d'urbanisme. Dans la perspective de créer un cheminement piéton le long de la goutte Marcelin, l'emplacement réservé numéro 29 est prévu à cet effet. La société Adage est intervenue le 18 juin 2020 pour procéder à l'arpentage et créer la division de la parcelle section BP numéro 35. Ainsi, la commune se porte acquéreur de la nouvelle parcelle section BP numéro 62 d'une superficie de 464 mètres carrés, conformément au projet de division joint. S'ajoute également la parcelle cadastrée section AN numéro 26 d'une superficie de 155 mètres carrés, permettant de relier la rue Policar au cheminement le long du cours d'eau. Un accord amiable a été trouvé avec la foncière de Mably, actuelle propriétaire, au prix de 619 euros, soit 1 euro le mètre carré. Les frais d'acte sont pris en charge par la commune. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'acquisition amiable des parcelles AN26 et BP62 pour une superficie totale de 619 mètres carrés au prix de 619 euros auprès de la foncière de Mably. Préciser que cette acquisition s'inscrit dans la perspective de créer un cheminement piéton le long de la goutte Marcelin. Autoriser le maire à signer l'acte authentique qui sera passé en l'étude de maître Lafont, notaire à Riorges, et maître Roudillon, notaire à Saint-Germain-Laval. Merci Jean-Luc. Ça fait partie aussi de notre politique d'acquérir des réserves foncières pour faire continuer des chemins piétonniers ou les créer, continuer aussi les réseaux des trams verts, trams bleus. Voilà. Et cette acquisition qui vous est proposée aujourd'hui, c'est dans ce but. Oui, monsieur Moissonnier. Merci monsieur le maire. Moi j'avais juste une question de profane. Le tarif de 1 euro, c'est une convention, comment ça se passe? Donc c'est pas, on discute pas le tarif, hein. Mais le tarif d'un euro pour ce genre d'acquisition, c'est commun, c'est... Je dirais que c'est commun parce que c'est une zone naturelle, donc ça, voilà, la personne peut rien en faire de particulier, c'est pas constructible, c'est d'un accord, d'un commun accord ou c'est un accord amiable. D'accord. Voilà. Okay. C'est pas une convention établie sur ce genre d'acquisition. Bah mais c'est devant le notaire, hein, c'est notarié. Hein. Oui, je comprends bien. Mais... Donc. Okay. C'est au cas par cas, mais quand c'est des acquisitions comme ça, des alignements, c'est souvent un euro. Quoi. Ok. Merci. Pas d'autres observations. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Je repasse la parole à Daniel Cor et c'est pour des travaux, des rénovations, d'éclairage public, impasse Georges Brassens. Merci Monsieur le Maire. Les équipements du réseau d'éclairage public de l'impasse Georges Brassens sont vieillissants et usés. Il y a lieu d'envisager des travaux d'aménagement et de rénovation du réseau d'éclairage public. Conformément à ses statuts, article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau du syndicat intercommunal d'énergie de la Loire, territoire d'énergie, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Par transfert de compétences de la commune, le ciel assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présence qu'il perçoit au lieu de la place de la commune des subventions éventuelles attribuées par le Conseil départemental de la Loire et le Conseil régional Rhône-Alpes, l'Union européenne et d'autres financeurs. La commune a décidé de mener une opération d'investissement. Le remplacement de l'éclairage public, la reprise du câblage fibre et télécom seront réalisés dans un souci d'amélioration des performances d'énergie. Financement. Le coût total de l'opération de Georges Brassens peut être estimé détaillé travaux. Câblage fibre et télécom, 2800 euros. Matériel télécom, 5600 euros. Remplacement d'éclairage public, 17 642 euros.
pour un total de 26 042 euros. À défaut de paiement dans un délai de 30 jours à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires au taux légal en vigueur. Ces contributions sont indexées sur l'indice TP12. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte que le CIEL, dans le cas des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement impasse Georges Brassens dans les conditions indiquées ci-dessus, étendu que d'une étude de travaux de dossier sera soumise à M. le maire pour information avant exécution. Approuver le montant des travaux de la participation prévisionnelle de la commune étant attendu que les fonds du concours seront calculés sur le montant réel exécuté. Prendre acte que le versement des fonds de concours du CIEL est effectué en une seule fois. Dire que la dépense en résultant sera prélevée par les crédits nécessaires pour la contribution ouverte au budget, compte 204-15-82. Décider d'amortir ces fonds de concours de 15 années par une dépense de fonctionnement au chapitre 042 6811 et une recette d'investissement du chapitre 040 2804 1582. Autoriser le maire à signer toutes les pièces à intervenir. Merci Daniel. Donc c'est dans le cadre d'une impasse qui était dans le domaine privé qui va passer dans le domaine public. Donc on va refaire, on avait délibéré il y a certains mois où les copropriétaires avaient vendu un terrain et nous avaient restitué le terrain vendu pour qu'on puisse faire les travaux afin qu'ils participent dans les travaux pour que cela retombe dans le domaine public. Donc là, aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est de confier la maîtrise d'ouvrage au CIEL pour réaliser les travaux d'électricité. Et comme c'est une voirie et un éclairage qui est remis totalement à neuf, on vous propose d'en profiter pour faire l'enfouissement des réseaux sur cette impasse. Avez-vous des questions? Pas d'observation? Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Le point suivant est présenté par Isabelle Berthelot et ça concerne les chantiers éducatifs. Oui, merci Monsieur le maire. Donc les chantiers éducatifs sont organisés par la ville de Riorges depuis 2003. Et l'objectif en est d'offrir à des jeunes l'accès à des travaux simples afin de percevoir un salaire pour financer un projet, qu'il soit individuel ou collectif, de permettre à des jeunes de faire l'apprentissage du travail. Les chantiers portent sur les activités suivantes, donc entretien du domaine communal, aide à la mise en place de manifestations, aide à l'animation en accueil de loisirs ou aide aux personnes âgées en service restauration. Donc les jeunes qui participent à ces activités sont sélectionnés par une équipe de recrutement et de suivi. Et cette équipe comprend l'association intermédiaire Sésame, qui se charge des contrats de travail, le conseil départemental de la Loire, le centre social de Riorges, la mission locale du Rouennais, la sauvegarde 42, la protection judiciaire de la jeunesse et les services de la ville de Riorges. Donc la ville d'Orgiorges, cette année, donc, va à nouveau organiser des chantiers éducatifs sur ces activités citées. Et pour mener à bien cette action, il convient de solliciter une participation financière du Conseil départemental de la Loire. Donc la demande faite au Conseil départemental permettra la prise en charge de 515 heures de rémunération des bénéficiaires, qui sont financées à 50% par la commune et à 50% par le Conseil départemental. Donc le budget prévisionnel s'établit ainsi, la participation du Conseil général pour 515 heures, 4 372,35 €, la participation de la ville de Riorges pour le même nombre d'heures, 4 372,35 €, le personnel encadrant ville de Riorges, 3 400 €, soit un total de 12 144,70 €. Donc ce budget correspond à 9 postes occupés. Alors, les chantiers réalisés ne doivent en aucun cas relever du secteur marchand. Il s'agira principalement de travaux nécessitant une importante quantité de main-d'œuvre. Tous les travaux nécessitant une quelconque qualification par la nature de l'activité ou des produits et engins que l'on doit manipuler sont proscrits. Il convient à cet effet de passer une convention tripartite avec le Conseil départemental de la Loire, l'association Sésame, pour promouvoir l'ensemble du dispositif chantier éducatif. Cette convention établie pour l'année 2021 fixe les participations de chacun. Le Conseil départemental de la Loire assure la validation technique des chantiers. La commune de Riorges assure l'encadrement des jeunes
et organise les chantiers éducatifs en s'appuyant sur l'association Sésame, qui souscrit les contrats de travail et assure la gestion administrative de l'opération. Ainsi, le Conseil départemental de la Loire et la ville d'Oriorges participeront à hauteur de 50% pour chaque collectivité à la rémunération des jeunes pour les 515 heures au titre de la convention tripartite. Cette participation sera versée à l'association Sésame et un bilan qualitatif et quantitatif sera fourni au terme de l'opération. Donc, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir solliciter du Conseil départemental de la Loire une participation financière correspondant à 515 heures de chantier pour un coût de 16,98 € de l'heure, soit 8,744,40 €. Accepter l'organisation de ces chantiers éducatifs sous réserve de l'obtention des financements demandés. Approuver une convention tripartite avec le Conseil départemental de la Loire et l'association Sésame pour promouvoir ensemble de ce dispositif. Dire que la dite convention prendra effet à compter de sa notification aux parties et jusqu'au 31 décembre 2021 et autoriser le maire à la signer. Alors peut-être ce que je peux vous préciser, c'est que du coup on est passé de 540 heures financées l'an dernier à 515 heures. Et on a fait le choix de maintenir 9 chantiers pour 9 jeunes, pour pas du coup diminuer. Et en fait, les horaires seront variables d'un chantier à l'autre, entre 57 et 60 heures de chantier. Voilà. Merci Isabelle. Donc c'est une convention tripartite qu'on vous propose chaque année, avec un financement 50% département, 50% commune. Avez-vous des questions ? Eric, pardon. Ça n'est pas une question, c'est juste une précision pour dire que la dernière commission permanente du Conseil départemental, les 4372,35 € ont été actés et votés. Merci Eric. Monsieur Detour. C'est pareil, c'est juste une petite précision. Dans la délibération, il est marqué mission locale. Je ne sais pas si vous saviez, mais la mission locale n'existe plus. En tant qu'entité. Oui, oui. Il faut vraiment marquer maintenant espace 2M là, dans les délibérations. Et ça fait le lien, on en reparlera après. On sollicitera aussi, je déborde un peu un rendez-vous, parce qu'on aura la possibilité justement de financer nous-mêmes des jeunes en chantier éducatif pour les communes qui le souhaitent. Si jamais ça peut rattraper aussi un nombre d'heures que vous avez éventuellement perdu. Donc on va commencer à faire le tour de toutes les communes pour expliquer un petit peu tout ça. Par rapport à ce que l'État a mis sur la table là, pour les jeunes dans le cadre de la bourse, d'une bourse PACEA. Donc là, vous ne parlez pas en tant que conseiller municipal, mais en tant que directeur. Je vous donne l'information. Voilà. D'accord, ok. Bien, merci. D'autres interventions ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Unanimité. Merci. Les deux prochains rapports vont être présentés par Eric Michaud. Ça concerne l'opération passeport avec le premier rapport, c'est une convention avec les communes partenaires. Le deuxième rapport, c'est une convention avec les associations partenaires. Merci, monsieur le maire. Effectivement, le premier rapport parle des conventionnements avec les communes partenaires, puisque depuis 1988, la ville d'Oriorges est engagée dans l'opération passeport, qui est devenue ensuite passeport plus, lorsque des activités autres que le sport sont venues se greffer sur ce dispositif, qui propose des séances d'initiation et de découverte de certaines activités sportives et de loisirs durant les vacances scolaires d'été, en s'appuyant sur le tissu associatif local. Les villes de Roanne, Mably, Le Coteau, ainsi que Villeray et Commelle-Vernay, qui nous ont rejoints en 2010 et 2011 pour ces deux dernières communes, sont associées dans cette action proposant des mini-stages se déroulant sur les communes partenaires. Les engagements de chacune d'elles ont été formalisés par différentes conventions et avenants au fur et à mesure de l'évolution de l'opération. À partir de 2021, avec la mise en place du portail e-citoyen, plateforme de démarche et service en ligne, les usagers pourront inscrire leurs enfants directement au dispositif Passeport Plus sans se déplacer et régler l'inscription via un paiement en ligne. En parallèle, l'inscription en mode guichet, bien évidemment, demeurera possible. Compte tenu de l'évolution des moyens d'inscription et de paiement, il convient donc d'établir une nouvelle convention. Cette convention fixe les engagements de tous les partenaires, les modalités d'organisation du dispositif, les conditions financières qui l'accompagnent, ainsi que les nouvelles dispositions relatives à la mise en place de l'inscription en ligne et du règlement en ligne. A noter que ce changement conduit à la création d'une régie de recettes unique,
institué au service des sports de Roanne, avec maintien de deux mandataires dans chacune des communes partenaires. Les coûts de mise en place et de fonctionnement de cette régie sont répartis au prorata du nombre d'inscrits pour chacune d'elles. La présente convention prendra effet dès signature et toutes les parties, et s'achèvera au 31 décembre 2026. Elle pourra être résiliée par notification à l'ensemble des partenaires au plus tard, à la fin du mois de février de chaque année. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention à passer avec les communes de Roanne, Mably, Le Coteau, Villeray et Commelle-Vernay dans le cadre de l'opération Passeport Plus, de préciser que ce dispositif propose des séances d'initiation et de découverte de certaines activités sportives et de loisirs durant les vacances d'été, dire que la dite convention a pour objet de définir les nouveaux moyens mis en place pour l'organisation annuelle de l'opération Passeport Plus, les conditions et modalités financières qui l'accompagnent, autoriser le maire à la signer. Et je vais vous apporter une petite précision, même si les inscriptions se font en ligne, il y a un document qui ne peut pas transiter numériquement, la fiche sanitaire que doit fournir chaque enfant. Donc cette fiche sanitaire rentre dans le domaine du secret médical, ne peut donc pas transiter de manière numérique. Donc chaque enfant qui sera inscrit devra, à son arrivée au stage, présenter cette fiche sanitaire à l'encadrant qui, lui, la vérifiera. Et ce qui a été décidé, c'est que les enfants qui se présenteraient sans la fiche sanitaire ne pourraient pas être acceptés au stage, puisque c'est la responsabilité de l'encadrant et de l'éducateur qui serait mis en cause. Merci Eric. Donc il conviendra à veiller à ce que les parents soient bien informés de ce dispositif. Ok. Y a-t-il des observations? C'est un rapport qu'on présente toutes les années aussi à Opération Passeport Plus. Pas d'opposition, pas d'abstention, donc unanimité. Merci. Le prochain rapport avec les associations. Voilà, donc c'est la déclinaison du premier rapport, je dirais, sur le terrain purement riorgeois. Donc je vous passe le discours depuis 1988. Juste pour vous dire que cette année 2021, donc il y aura deux stages de football, deux de judo, jiu-jitsu, deux stages de tennis, deux stages de basket, un stage d'illustration manga, un stage de BMX, un stage de crossfit, un stage de handball, un stage de théâtre, un stage de jardinage et un stage d'athlétisme. Alors, à noter qu'on vit une année particulière de nouveau et que 2020, les dispositifs avaient été mis en place malgré tout. On avait eu un taux de remplissage très, très important, mais ce qui était tout à fait normal puisque le nombre de stages avait été réduit. Crise sanitaire oblige, mais ça avait pu se tenir, ce qui était quand même intéressant. Une petite précision, les villes d'Orieur et Mably fonctionnent sur le principe d'une participation financière forfaitaire versée à la prestation au monde associatif. La ville de Roanne, elle, fait appel à des prestataires hors territoire communal. Et les activités proposées à Riorges sont dites plus accessibles hors dispositif et présentent des coûts de mise en place et de pratique moins importants que d'autres. Je fais le parallèle, par exemple, avec des activités poney, escrime, karting, etc., qui demandent effectivement des moyens matériels et en termes d'assurance aussi qui sont beaucoup plus importants. Donc là où effectivement ça ne peut pas fonctionner sur du forfaitaire. Donc les associations se sont encore bien impliquées. Je rappelle que c'est aussi pour les associations le moyen d'aller au plus près des jeunes et de potentiellement attirer aussi de nouveaux adhérents. Les associations aussi, ça permet en période estivale que leurs salariés puissent aussi décliner une activité de développement. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Après, au fil des années, les succès d'un stage ne se retrouvent pas forcément l'année d'après. C'est très fluctuant. On n'a pas vraiment de ligne directrice qui nous permet de démontrer qu'il y a cause à effet. Mais bon, ça fonctionne bien, on a des taux de remplissage qui sont intéressants. Et je pense que particulièrement cette année,
la jeunesse va avoir besoin aussi de pouvoir avoir des activités et je ne crains pas du succès de cette opération. Donc je vais revenir sur la fin du rapport. Et donc les associations partenaires peuvent s'engagent à respecter les mesures sanitaires, bien évidemment les gestes barrières en vigueur lors du déroulement de l'activité. Je précise aussi que ces stages, bien évidemment, sont conditionnés par les directives nationales liées à la situation sanitaire, en espérant qu'ils pourront se tenir, on en fait tous le vœu. Ce programme est estimatif, c'est ce que je viens de vous dire, et le tarif d'inscription pour chaque participant est identique, quel que soit le stage. Conformément à la convention, il est fixé d'un commun accord entre tous les partenaires. Pour l'année 2020, le coût d'inscription pour chaque stage est de 30 euros, et chaque commune au CCRS peut apporter une aide aux familles à revenus modestes. Ce qui est le cas à Riorges, où il est proposé d'accorder un tarif réduit à 10 euros aux familles, dont le quotient familial est inférieur à 610 euros. Il est donc demandé au conseil municipal de valider le montant du plein tarif à 30 euros par stage et par enfant, ainsi que le tarif réduit à 10 euros par stage et par enfant pour les familles, dont le quotient familial est égal ou inférieur à 610 euros. Limiter les inscriptions à 2 stages maximum par enfant et un seul stage du même type par enfant. Valider le principe d'un paiement forfaitaire de 290 euros par stage aux associations les animant, sur présentation d'une facture détaillée émise après le déroulement du stage. Approuver la convention type qui sera passée avec chaque association concernée et autoriser le maire à les signer à chaque fois que cela sera nécessaire. Merci Eric. Donc il y a une petite douzaine, 11 je crois, associations qui participent. Avez-vous des questions, Monsieur de Tour? Oui, juste une petite remarque. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui est très très intéressant et puis en place depuis des années. Je pense que un nombre important de personnes ici... Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro? C'est mieux là? Voilà, c'est mieux. Merci. Donc je disais, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est important et qui est exceptionnel, hein, cette opération passeport. Je crois qu'elle remonte dans les années 1980. On est nombreux ici à l'avoir utilisé et avoir réalisé les stages quand on était jeunes. Une petite précision, il n'y a pas que la ville de Riorges et que la ville de Mably là, qui utilisent les prestataires locaux et le tissu associatif local. Toutes les communes l'utilisent, que ce soit Comelle, que ce soit Villerec et que ce soit la ville de Roanne. Ils vont simplement chercher sur les activités qui n'existent pas sur leur territoire, d'autres activités par des partenaires extérieurs, mais les clubs de les clubs associatifs de ces communes-là participent aussi pleinement à ces opérations. Et ce qui fait que l'ensemble des petits Rouennais, hein, qu'on soit Riorgeois, petit Mabliro, ou etc., peuvent aller chercher l'ensemble des stages qui peuvent être proposés par l'ensemble des communes. Tout à fait. Je ne pense pas qu'on ait dit le contraire. On est bien d'accord avec vous, oui. Oui, oui. Non, j'ai précisé qu'effectivement, il y a des stages qui demandent des spécificités où on n'a pas les ressources forcément, et que c'est la ville de Roanne qui assure en général ce type de prestations. Et une précision, donc on a un total de 166 places qui sont ouvertes pour 15 stages sur cette année 2021. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité? Les 3 prochains rapports vont être présentés par Véronique Mouillet et ce sont des adhésions à différentes structures. Voilà, merci Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit de trois adhésions, à différents réseaux Auvergne-Rhône-Alpin. Le premier dans le spectacle vivant, le deuxième sur les musiques actuelles et le troisième sur le jeune public. Donc le premier réseau s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. C'est donc une association Noix 1901. Qui est un pôle d'accompagnement, d'échange et de ressources pour les acteurs de la région et qui était donc engagé dans le développement et la facilitation d'initiatives artistiques et culturelles dans le spectacle vivant. Ce qu'il vous est proposé, c'est que la ville de Riorges adhère à ce réseau et cela au titre du Collège 3, donc organismes et acteurs publics territoriaux. Le but de cette adhésion, c'est de conduire une action culturelle cohérente, ancrée dans l'actualité et la réalité du secteur professionnel, pour bénéficier d'une information régulière et du partage d'expériences. Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver l'adhésion de la ville de Riorges à Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, dire que la cotisation annuelle est fixée à 30 euros, autoriser le maire à signer tous les documents indispensables à cette adhésion et dire que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au budget. Donc ça nous permet aussi de programmer un certain nombre de spectacles sur la commune.
Merci Véronique. Des questions? Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité? Je continue. Donc la deuxième adhésion, c'est un réseau qui s'est mutualisé. Hein. C'était la ville de Riorges adhérait depuis déjà 2016 à un réseau qui s'appelait Tagat Soins de Soins. Donc ce réseau est englobé dans un réseau qui s'appelle Grand Bureau désormais. Et ce réseau, lui, regroupe 140 structures membres de l'ensemble des filières des musiques actuelles. Donc, par sa programmation des mardis du Grand Marais, le service culturel de la commune participe chaque année aux présélections, au Festival du Printemps de Bourges pour sélectionner les groupes musicaux susceptibles d'être programmés par la suite à Riorges. Donc cette association, le Grand Bureau, est en charge des présélections des groupes à l'échelle régionale en vue de leur programmation sur la scène en découverte du Printemps de Bourges. Donc c'est à ce titre-là qu'on souhaite adhérer à ce réseau afin donc de conduire une programmation de musique actuelle et professionnelle ancrée dans l'actualité et la réalité du secteur. Donc c'est un renouvellement hein, puisqu'on adhérait déjà. Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver l'adhésion de la ville de Riorges à l'association Grand Bureau, réseau des professionnels des musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes, dire que la cotisation annuelle est fixée à 25 euros, autoriser là encore monsieur le maire à signer tous les documents indispensables à cette adhésion et dire que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au budget. Merci Véronique. Donc vous voyez que les cotisations proposées sont quand même pas élevées et que ça peut amener, et que c'est dans la programmation, une bonification de la programmation culturelle de la ville de Riorges. J'ai pas mis au vote, oui. Véronique. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Le dernier réseau, donc c'est un réseau auquel nous ne prenions pas actuellement part, mais qui existe déjà, c'est le réseau Domino, qui est une plateforme jeune public Auvergne-Rhône-Alpes, qui fédère et anime le réseau professionnel d'artistes, de structures artistiques, culturelles, de bureaux de production et d'autres structures régionales engagées auprès de l'enfance et de la jeunesse. Donc l'objectif ici, c'est d'aller chercher des spectacles pour les scolaires notamment. Les objectifs de cette association, affirmer son soutien à la création jeune publique dans la pluralité de ses formes, langages et de ses publics à parité avec la création pour adultes, penser les enjeux et le rôle de l'éducation artistique et culturelle dans l'écosystème de l'enfance et de la jeunesse, adhérer à un cadre réseau interprofessionnel de soutien à la création jeune publique sur le territoire géographique Auvergne-Rhône-Alpes, se regrouper pour chercher et expérimenter ensemble de nouvelles façons de produire, de promouvoir une démarche collective et solidaire interprofessionnelle d'économie sociale, d'expérimenter une nouvelle relation entre lieux de diffusion et compagnie, ainsi qu'entre compagnies elles-mêmes sur un principe d'ouverture et de décloisonnement, et également de mettre en commun et à disposition des moyens, compétences, connaissances, expertises dans une logique de partage et d'entraide. Donc c'est à titre-là que nous souhaitons rejoindre le réseau Domino. Donc il vous est demandé de bien vouloir approuver l'adhésion de la ville de Riorges à l'association Domino Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes, dire que la cotisation annuelle est fixée à 30 euros, autoriser monsieur le maire à signer tous les documents indispensables à cette adhésion et dire que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au budget. Merci Véronique. Donc une adhésion plutôt dirigée vers le jeune public avec un coût de 30 euros. Y a-t-il des questions? Pas d'observation? Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Un avenant à la convention pour le Ziconor qui va nous être présenté par Michel Boucher. Merci, monsieur le maire. Donc, par délibération du 12 novembre 2020, le conseil municipal avait approuvé une convention pluripartite assurant la pérennisation du dispositif de soutien aux musiciens amateurs Ziconor, piloté par le service culturel de la ville de Riorges depuis 2013. En partenariat avec les villes de Mably et de Roanne, le conseil départemental de la Loire et la communauté d'agglomération Roanne et Agglomération. Comme le prévoit l'article 4 de cette convention, il convient de prendre un avenant annuel pour fixer les contributions de chacun des partenaires. Pour l'année 2021, ces contributions s'établissent comme suit. 1 000 euros de la part de chacune des trois communes de Mably, Riorges et Roanne. 1 000 euros sous forme de mise à disposition de personnel ou de matériel du conservatoire d'agglomération de la part de Roanne et Agglomération, et 6 000 euros de la part du Conseil départemental de la Loire. Les contributions financières sont versées à la commune de Riorges, qui gère le budget du dispositif et rend compte au comité de pilotage de son utilisation.
Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant annuel à la convention pour le dispositif Zikoneur à passer pour 2021 avec les villes de Mably et de Roanne, Roanne et agglomération et le conseil départemental de la Loire. Préciser que l'objet du dit avenant porte sur les modalités de participation financière et l'engagement des signataires conformément à la convention approuvée par le conseil municipal du 12 novembre 2020 et autoriser le maire à le signer. Merci Michel. Donc vous avez le détail des prestations, contributions versées par les différentes collectivités. Pas d'observation. Donc qui s'abstient, qui vote contre, unanimité. Nabi Nejar qui va nous parler tableau des effectifs du personnel. Merci Monsieur le maire. Délibération habituelle. Donc afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il convient au 1er mai de créer un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à 34 heures. On verra que le poste d'adjoint technique à 34 heures est supprimé derrière. Les trois postes d'adjoint technique à 28 heures. En fait, c'est, je pense que c'est un poste. Il doit y avoir certainement une erreur là. C'est à vérifier, il me semblait, sur la formule que j'ai qu'un poste, moi. C'est le poste de garderie, futur poste de garderie. Nabi, on te comprend très mal si tu veux parler dans le micro. Voilà, merci. Je pense que sur les postes, il y a peut-être une erreur. Il me semble qu'il n'y a qu'un poste d'adjoint technique à 28 heures. Non, c'est trois. D'accord, c'est pas ce que j'avais. Et donc, la suppression du poste d'adjoint technique à 34 heures par rapport à la promotion. Et puis d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à 33h40 et un poste d'adjoint technique à 23h qui sont des postes après départ des personnels. Vu la saisine du comité technique, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir donner son accord sur ces propositions, modifier en conséquence le tableau des emplois permanents à temps non complet. Merci Nabi. Y a-t-il des questions? Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Et enfin, le dernier rapport que je vais vous présenter, ça concerne un vœu pour soutenir la création de la route des vins en Côte-Roannaise. Donc, ça a été demandé par Roanne Agglomération que chaque commune puisse délibérer pour soutenir ce projet. Je vous rappelle que c'est un projet qui existe déjà depuis de très longtemps, puisqu'il a été déjà évoqué en 1975. Ça a été travaillé à l'époque par les communautés de communes de la Côte-Roannaise ou de l'Ouest Roannais, peut-être les deux, en 2002, je crois, et c'est revenu en actualité. Alors, ça n'avait pas été plus loin, faute de financement, de moyens, je dirais, par ces deux com-com. Et puis, ça revient aujourd'hui avec Roanne Agglomération et le vice-président chargé du tourisme, et avec l'Office du tourisme, simplement pour pouvoir mettre, donc, d'une part, rendre notre territoire attractif et le mettre en valeur au nouveau tourisme avec les villages de caractère, notre patrimoine viticole, qui prend de plus en plus de valeur. Mais il ne s'agit pas de s'en tenir simplement aux itinéraires de la route des vins. Si l'on veut que ça fonctionne, qu'il y ait vraiment une attractivité, il faut, au-delà de l'itinéraire, il faut créer des animations. C'est pour ça qu'il est demandé à chaque commune de Roanne Agglomération, même s'il est en dehors du périmètre viticole de la côte roannaise, de venir renforcer le groupe de travail afin de pouvoir travailler et proposer des animations tout au long de l'année pour mettre en valeur cette route des vins. Voilà. Donc, vous avez dû recevoir le dioporama. Hein, je ne vais pas tout le dérouler, mais il est fort bien fait. Vous pourrez le compléter si vous avez d'autres détails à voir. Simplement, considérant que l'objectif de ce projet est de valoriser le passé viticole du Roannais, de soutenir les viticulteurs de la côte roannaise actuelle dans leur développement, offrir au tourisme une raison de plus de venir en Roannais et par là de générer des ressources supplémentaires aux acteurs touristiques du territoire, en sachant que les viticulteurs de la côte roannaise font un effort particulier puisqu'ils souhaitent dans peu de temps atteindre les 80% de vins bio, et créer des synergies entre les communes en matière de projets patrimoniaux, touristiques, événementiels. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal de bien vouloir apporter son soutien à ce projet intercommunal de création d'une route des vins en Côte-Roannaise, d'engager une démarche de concertation au sein
de ce même conseil pour faire des propositions concrètes avant le 1er mai 2021 en vue de l'élaboration de ce projet. Là, c'est peut-être un peu optimiste parce que le projet, le 1er mai, c'est demain. Mais enfin, le principal, c'est que la démarche soit lancée et proposer un élu pour représenter la commune dans ce projet. Et je vous propose Richard Mousset pour la commune d'Oriorges. Oui. Monsieur le maire, bonsoir. Juste une petite intervention. Nous souhaiterions, alors nous, on se réjouit vraiment de l'inscription de Riorges dans ce projet de route des vins. C'est vrai que c'est un projet très attractif qui va contribuer, on l'espère en tout cas, à améliorer le tourisme, l'image du Rouennais. Nous souhaiterions vous proposer que Bernard Giacoletto puisse participer à ce groupe de travail. Nous aimerions vraiment être associés à la réflexion. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez accéder à notre demande, à notre requête. Bernard souhaiterait, de par sa disponibilité, pouvoir intégrer ce projet, cette réflexion. Voilà, donc on vous fait part de cette demande. Oui, j'entends bien, mais Richard Mousset aussi souhaitait, d'ailleurs, il a assisté à plusieurs groupes de travail, déjà réunions, donc oui. Il souhaite continuer ce travail. Alors, ça ne viendrait pas remplacer M. Mousset, bien évidemment, la proposition de notre groupe. Ça serait qu'il travaille éventuellement à ses côtés, qu'il participe. Moi-même, j'ai participé à la visio qui a eu très récemment. Je voudrais essayer d'intégrer Bernard dans cette réflexion. Alors, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, parce que le projet de délibération est transmis ainsi aux 40 communes de Rouennais agglomération. Oui, il figure dans le Donc, on nous demande de nommer une personne. Donc, je ne peux pas en nommer deux aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça sera possible. Vous revenez vers nous alors pour... Voilà. Pour nous répondre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Monsieur Detour. Oui, c'est un projet qui est très bien pensé. C'est vrai qu'on se félicite que Rouennais Agglomération puisse le remettre en place. C'est vrai, quand on se rappelle l'histoire, hein, le Beaujolais s'arrêtait aux portes de Perreux à l'époque. Et à Combray, il y avait encore des vignes. Hein. On voit d'ailleurs tous les caveaux, même sur Saint-Léger, début de Riorges, là, tout ce qu'il peut y avoir actuellement. Et tout le vin, à l'époque, partait par le canal, alimenter les petits bistrots parisiens en 1800, 1700 et quelques, et 1800. Et c'est vrai que le circuit d'agrandir le périmètre d'aujourd'hui à une route des vins élargie, c'est vrai que ça a tout son intérêt, et on le comprend par rapport au passé du vin sur notre territoire. Et les Rouennais et les Riorgeois prenaient le taco pour rejoindre la côte rouennaise. Voilà. Pas d'autres observations? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Je vous remercie pour votre présence et je vous donne rendez-vous le 20 mai. Le 20 mai, Ghislaine. Merci, bonsoir à tous.